Monsieur Kanga, à quelle densité faut-il planter? Les densités varient entre 1500 et à 2500 pieds. D'accord. Ça dépend des techniques culturelles que vous utilisez. Mm-hmm. Pour des professionnels comme moi, excusez-moi si je dis ça, moi je suis jusqu'à 2500 pieds à l'hectare. D'accord. La haute densité. C'est énorme. Mais celui-là se fait, oui, c'est énorme, mais celui-là se fait en fonction des variétés. Il y a des variétés que vous ne pouvez pas aller à 2500 puisqu'ils seront très 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 coincés et filés et avoir des petits régimes. D'accord. Donc je vous conseille d'aller à la densité standard qui est 1666 pieds à l'hectare. Plus vous plantez serré, okay, les bananes seront effilées et vous allez avoir des petits régimes. Mais quand vous plantez un peu séparé, vous pouvez avoir de très bons résultats avec les régimes que vous allez récolter. Bonjour Docteur Sylvain. Oui, bonjour. Bonjour. Hier, M. Kanga nous a parlé de la densité de bananes plantains que nous devons planter. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Alors, la densité de bananiers plantains qu'on doit planter, elle dépend des cultures qu'on va associer aux bananiers plantains. D'accord. Mmh. La façon dont on remplit une parcelle avec des cultures, qu'on les organise dans le temps et dans l'espace, et les pratiques agricoles qu'on va mettre en œuvre sur ces cultures, tout ça, ça s'appelle un système de culture. Okay. On peut dire qu'en général, il existe trois grands systèmes de culture avec du bananier plantain. Okay. Un système de culture avec des cultures pérennes, qui est probablement le plus répandu. Mm-hmm. Un système de culture avec des cultures vivrières. Et un système de culture où le bananier plantain est la culture principale. D'accord. Ici, on a un système de culture avec des cultures pérennes. Vous voyez que la culture principale, c'est les VA. Oui, et en dessous, on a des bananiers. D'accord. Le bananier est une plante de service de l'EVA. C'est-à-dire que le bananier est implanté quand les EVA sont petits, mm-hmm, pour leur faire de l'ombre. Mm-hmm. Il sert aussi à faire de la trésorerie pour l'agriculteur, pour conduire la parcelle d'EVA avant qu'elle produise, et pour le ménage. D'accord. Okay. Le système de culture pérenne le plus répandu, c'est probablement le système bananier plantain cacaoyer. Oui. On est dans, à peu près dans ce que je viens de décrire, sauf que ce sont des cacaoyers, et on est sur une densité de l'ordre de 800 à 1000 bananiers plantains par hectare. D'accord. C'est la même densité que la culture pérenne. Oui. Donc c'est la culture pérenne qui choisit la densité. C'est ça. D'accord. Maintenant, je vais vous montrer un système de culture vivrière. D'accord. Ici, vous voyez qu'on a du bananier plantain, oui, et d'autres cultures associées. Mm-hmm. Donc on est dans un système de culture vivrière. Ça veut dire que le bananier plantain n'est plus la culture principale. Okay. Il y a un compromis sur la gestion de l'espace entre le bananier et les autres cultures vivrières que l'agriculteur veut mettre. Okay. Du coup, on ne peut pas recommander une densité spécifique, vu que ça dépend de ce compromis. Okay. Donc on peut dire que la densité, elle va varier entre 200 et 1200 bananiers à l'hectare. Ce système, il est intéressant parce qu'il y a une diversité de cultures et donc il apporte une diversité de produits. Maintenant, je vais vous emmener voir un système de culture où le bananier plantain est la culture principale. Okay. D'accord. Ici, okay, on a un système de culture banane plantain en culture principale.
D'accord. Donc c'est une parcelle qui est principalement basée sur la culture du bananier plantain. Donc c'est la culture principale. Ok. L'agriculteur, il a pour objectif de produire régulièrement et de commercialiser de la banane plantain. D'accord. Voilà. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des cultures secondaires. Par exemple, de la patate douce. Oui. Mais ce sera une culture qui viendra s'ajouter. La culture principale reste bien le bananier plantain. Ok. Demain, vous allez aller rencontrer Narcisse, qui a une parcelle de ce type de système de culture. Okay. D'accord. Il vous expliquera plus de choses sur la densité, comment ça fonctionne, etc. D'accord. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Bonjour, monsieur Narcisse. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous. Bonne arrivée. Merci. Merci. Dites-nous, quel système de culture vous pratiquez ici, vous faites ici? Ici, on pratique de la banane plantain à des densités relativement importantes, 1600 à 2000 plants par hectare en moyenne. Wow. Donc, dans ce système de culture où c'est la banane plantain qui est visée, on a la possibilité de faire des associations. D'accord. Vous observez ici ce pied de gombo qui est en fin de cycle avec le fruit et puis la fleur. Oui. Qui nous permet sur les trois premiers mois, les trois ou six premiers mois, de rentabiliser l'exploitation. À travers la récolte du gombo et la commercialisation du gombo, on peut nettoyer le champ, pratiquer à des entretiens, payer la main d'œuvre pour l'entretien de la parcelle. Ok. Vous avez observé qu'il y a aussi de la patate. Des patates. Sur l'exploitation, qui permet de maintenir l'enherbement et de veiller à un meilleur entretien du site. Ok. Alors, et à part ça, est-ce qu'on peut donc ajouter l'autre culture vivrière? Oui, il y a, le choix doit être porté sur les cultures à cycle relativement court. Vous avez l'arachide, qui est une légumineuse, qui est un cycle court qu'on peut utiliser pour la culture, pour l'association les six premiers mois. Vous avez le piment. D'accord. Vous avez les courgettes que vous pouvez utiliser. Merci. Mais au-delà de cette période, lorsque vous excédez la période de 6 mois, dans mon cas, où l'objectif c'est de produire de la banane plantain pour la commercialisation et la transformation, il n'est plus possible, au regard de nos densités, de faire encore la mise en place de cultures à cycle court. Parce que l'effet de l'ombrage va empêcher une meilleure croissance et une meilleure production des cultures que vous allez associer. Ah, merci beaucoup. Merci monsieur Narcisse. Alors Marie, concrètement, comment on peut planter les bananiers les uns par rapport aux autres dans une plantation? Je me demande bien comment. Ok. Ah, t'as vu, là, le tonnage est super. Oui. Marie, docteur Delès et madame Pauline nous attendent à la plantation aujourd'hui. Ah, tiens, les voilà. Bonjour. 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 Nous avons quelques questions. Bon, on souhaiterait savoir s'il y a une façon de disposer les bananiers lorsqu'on fait les plantations les uns par rapport aux autres. C'est une très bonne question. Alors, on vous recommande dans un dispositif de choisir un dispositif où les bananiers sont alignés et en quinconce. Ok. Quand c'est en parallèle, en fait, les bananiers, pour pas qu'ils se chevauchent, pour pas qu'ils se gênent, il faut écarter un petit peu les lignes. Or, quand c'est en quinconce, vous pouvez rapprocher les lignes de bananiers sans que les bananiers se gênent. Donc, vous pouvez mettre plus de bananiers sur une même parcelle. Ah, super. Alors, super. Aussi, dans la plantation en quinconce, chaque bananier à son espace d'exploitation du sol et également de la lumière. Vous voyez que les bananiers sont décalés et les bananiers ne se gênent pas du tout. Alors c'est un dispositif qui est intéressant parce que ça optimise l'utilisation du sol et également des éléments nutritifs du sol et également de la lumière. Wow. Ça facilite aussi le haubanage puisqu'on peut attacher les bananiers les uns aux autres directement sans utiliser des pieux. Wow. Dans la plantation à ligne simple, vous avez l'ombre qui est créée par les feuilles des bananiers qui se trouvent de façon qui est la même sur toute la parcelle. D'accord. Et vous avez également les mauvaises herbes qui se développent à la même vitesse sur toute l'exploitation. Okay. On vous conseille de planter en double ligne. Okay. Dans la double ligne, on a un grand rang avec plus de lumière qui arrive. Et là, on peut même, si le grand rang est assez grand, faire des cultures associées. Oui. Et puis, on a un petit rang où il y a beaucoup d'ombre. Et donc là, il n'y a même pas besoin de désherber. Les mauvaises herbes ne poussent même pas. Voilà, parce que la lumière n'atteint pas. Ensuite, quand on a une double ligne, on va avoir les fleurs qui vont jeter dans le grand rang. Et donc, ça va faciliter le travail. Toute la récolte va se faire dans le grand rang. Pour le haubanage aussi, comme les lignes sont plus resserrées, les doubles lignes, on utilise moins de ficelles. Et puis, si jamais vous irriguez votre parcelle,
En double ligne, vous pouvez installer votre système d'irrigation dans le petit rang et ça permet comme ça d'utiliser moins d'eau pour arroser les bananiers. Oh, ça c'est super. Voilà. Super. Alors, pour le premier cycle, c'est-à-dire ma première récolte, je peux donc faire un schéma de plantation? Tout à fait, c'est simple. Wow. Et donc, pour le second cycle, comment conserver l'alignement et l'espacement entre les plantations? Bon, pour le cycle suivant, si la banane plantain est votre culture principale, d'accord, vous conservez un régime successeur. Venez, je vais vous montrer un endroit. Ok. Venez voir, ici, nous avons le l'étainage qui est bien fait. D'accord. Vous pouvez constater. Alors, pour les cycles suivants, il faut conserver un seul régime successeur. Alors, parce que si vous conservez plusieurs régimes, hein, vous augmentez la densité et il y aura une forte compétition entre les bananiers. Gardez bien les rejets toujours du même côté du pied-mer. Okay. Voilà, pour bien conserver l'alignement et l'espacement. D'accord. Et s'il y a des bananiers qui meurent dans notre plantation, ça va faire des gros trous là. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les remplacer? J'ai vu ça ce matin, je vais vous montrer concrètement comment ça se passe. Venez. Ok. Voilà, c'est ici. Ici, vous voyez, il y a un bananier qui est mort, il y a un trou. Et donc, pour combler ce trou, moi, je ne vous conseille pas d'utiliser ni un rejet, ni un vivoplan, ni un vitroplan, parce qu'avec l'ombre, il va très mal pousser. Donc, je vous conseille de prendre un pied-mer le plus proche, et de sélectionner un deuxième rejet sur ce pied-mer. Donc, ici, par exemple, on a ce pied-mer qui a son rejet successeur habituel, d'accord, dans l'alignement. Et donc, à l'opposé, vers le trou, ils ont sélectionné un autre rejet, un deuxième rejet, qui lui, au fur et à mesure des cycles, voilà, il va se déplacer pour aller boucher le trou. Waouh, super, merci. Maintenant, nous savons comment choisir une autre densité à la plantation et comment la maintenir d'un cycle à un autre. Alors, venez avec nous pour y apprendre davantage.